Mais j'ai crash, putain! Mais j'ai crash, ça m'a fait apparaître ici, t'es con ou quoi? Vas-y, je vais. Ah c'est bon, je prends le coup. Yo tout le monde, comment vous allez? Yo 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 yo. Désolée, je vais peut-être paraître un peu sous les sorts, mais il y a des bugs et tout, donc ça me gave déjà. Yo. Yo, ouais, ça va et vous? Je suis juste un peu saoulée là. Juste un peu saoulée, j'ai fait des tests et tout, donc je crache à des moments, bah voilà, j'espère que ça va aller. Et vous, comment vous allez? Ouais, 5M, ils ont fait une mise à jour en fait et. Ça casse les couilles, hein, vraiment. Laisse tomber quoi.
Je vous lis. Bah, ça va. Hop. Du coup, désolé, j'ai commencé grave en retard, mais ouais, Five même, il casse les couilles ce soir. Vraiment, il casse les couilles, frère. Ouh, lo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 l. Ouais, j'espère que ça va aller aussi dark. Franchement, ça m'a cassé les couilles, vraiment, je vous cache pas. Ouais, c'est ça, et ils font des mises à jour qui bug encore plus. Salut Kiro, comment tu vas? Daim. T'inquiète, on aurait attendu toute la nuit, c'est lui. Il avait fallu. Ouais, ça a toujours dans l'abus, frère. Yo, l'ami, comment tu vas? Mais il y a plein de... En fait, on sait pas écrire de messages. Genre, quand je vais sur ma carte, je sais pas zoomer. Sauf avec la manette, mais avec le clavier, non. Mais vu que, en fait, je joue avec la manette que quand je conduis. Bah, du coup, voilà. Du coup, voilà. Ouais, c'est clair, Héro. Et toi, Kata? Comment vous allez? C'est le plus important, ça. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Yo, le sang, comment tu vas? Ouais, c'est clair. Mais c'est juste, ça me fait chier pour vous aussi, tu vois. Genre, ça va bugger et tout. Peut-être ça va casser des scènes et tout. Je sais pas, tu vois. Vu que moi, je suis une grosse rageuse, il m'en faut pas beaucoup pour rager, hein. Ça va finir sur Redem, tout ça. Frère, j'ai tout seul sur Redem. Oui, on entend bien. Salut, Flo. J'ai vu aussi des nouvelles têtes aujourd'hui sur Discord. J'ai vu Kiro, notamment. Et Chloé. Je sais pas si Chloé était là. Yo, tout le monde. Du coup, vous voyez, je suis calme, en fait. Quand je suis à deux doigts de rager, je suis calme, en fait. C'est le calme avant la tempête, comme on dit. C'est ça. Tu es sage. Oui, je suis sage. Merci, Jaune, pour les 45 bytes. Merci beaucoup. Yo Shadok, ça va et toi? Ne dev prep vont trouver une solution. Bah, en fait, là, c'est que ça vient de 5M, donc. Ta voix me donne envie de dormir, c'est terrible. Je sais pas si c'est un compliment ou si t'essayes de me faire tilt, mais. J'ai mal aux oreilles aujourd'hui, s'il te plaît, ne rage pas. Ah, bah ça, moi, je peux pas prévoir. Hein. C'est comme le RP, je prévois pas quand je rage. Salut! Merci Kilua pour tes 20 bytes, merci beaucoup. Bon, on se plonge dans le truc là, vous êtes chaud. On y va. De ouf, ta voix douce me fait dormir. Putain, par contre j'ai pas une voix douce. Hein. Yo Alexis, ça va? Oui, c'est un compliment, mais je dois lire, donc c'est dur pour moi de pas dormir. Ah ben, bonne chance. Oh, Wolf, merci beaucoup pour les 500 bytes, merci. Ça y est, j'ai fait mes 1 an. Bah ouais, je sais Dodo. Je sais, GG à toi. Allez, on y va les gars. J'ai déjà baissé le volume du casque. Je vais mettre mon son. T'as passé une bonne journée? Longue. Longue et vous? Après les gars, Totally Sprite, c'est pas tous les jours, hein. À petite dose, hein, sinon ça perd son charme, bien sûr. C'est qu'on s'y attend pas, de toute façon. Moi, je sais pas quand ça va arriver la prochaine fois, donc. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, faut que j'aille m'acheter de quoi manger. En tier 3 en plus. Incroyable.
Je vais aller au Flash Oil, m'acheter à manger. J'espère que ça fonctionne. J'ai pas été vérifiée. Donc, je sais pas. L'événement est incroyable. Vous avez vu, j'ai mis un point important là où j'habite. Bon, Flash Oil, c'est ici. La boule, merci beaucoup pour ton 10e mois. Merci, GG à toi. Bon, j'espère que ça n'a pas crash quand je conduis, parce que ça, quand j'ai conduit, j'ai crash. Donc j'espère que ça va pas crash, les gars. Si ça crash, moi j'abandonne tout, je me casse. Hein. C'est bon. Hein. C'est bon, ça me casse les couilles. Je m'habituerai jamais à sa démarche. J'essaye de mettre des trucs que les gens mettent pas aussi. GG, voilà. Yo, Amy, comment tu vas? Qu'est-ce qu'elle fait dans un cimetière? Ah ah! Ça va, je crois que t'es le seul qui a tilt en vrai le cimetière. Oh putain, attends, je fais quoi? Si tu veux, je te paye un kebab. J'aime pas les kebabs. Mais merci de l'offre, c'est très gentil. C'est très gentil de ta part. Yo tout le monde, yo 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 à tous ceux qui arrivent. Ah ouais, ok, Abby. Des sushis. Je t'avoue qu'aujourd'hui, j'étais plus dans un mood pour un McDo, là. Genre, j'avais vraiment besoin de ça. Mais c'est pas grave. Mais what the fuck? Il y a un rendez-vous ici? Ça a brûlé? Ah ok, c'est la salle de sport qui a cramé. Ça tombe bien, j'ai pas d'abonnement. Et toi, Marseillais, comment tu vas? Ah, oh, tu manges quoi comme gâteau? Et c'était l'anniversaire de qui? J'avais même pas des... Bon. Un an que t'as pas mangé de McDo? Mais il y a des périodes comme ça où j'en mange pas pendant longtemps, mais un an, jamais. Ah ouais, baklava, je veux bien, putain, ça je kiffe. Bonjour, je prends un panier, hein. Si j'y arrive. Ah, c'est une poubelle. Alors, qu'est-ce que je vais acheter comme fruit? T'as vu la musique, elle passe bien, je trouve, avec elle. Bon, on va prendre des ananas. On en prend 5. Et il y a quoi d'autre qui me tente là? Rien. Ici, il y a quoi? Coca. Non, j'aime pas. Mes frères, j'aime pas tout ça. Là, il y a quoi? Rien. Ok, ici. Et je vais acheter de l'eau. Oh putain, je suis rentrée dans le frigo. Bah ouais, parce qu'il faut que j'aille le chercher au fond du frigo en fait. Je vais prendre. Un pack. Deux packs de 10 bouteilles. Vous inquiétez pas, ça existe aux États-Unis. Alors, ici. Il y a des nouveaux pompistes. Ouais, il y a nouveau. Alors, je vais prendre. Putain, mais c'est des trucs à réchauffer, ça. Parce que je peux pas garder des hamburgers froids, quand même. Mais j'en prends pour la maison ou pas? Je vais acheter quand même 10 sandwichs. Bonjour madame, puis-je vous aider? Ah bonjour, je fais mes petites courses. Ah d'accord, pas de soucis. Vous avez besoin de mettre de l'essence? Non, pas vrai. Bon écoutez, je vais toujours faire le plein tant que je suis là.
Mais est-ce que vous pouvez me dire si les hamburgers qui sont là, c'est des hamburgers à réchauffer chez soi ? Enfin, on va dire c'est un peu des parpaings, quoi. On est obligé de les vendre parce que voilà, mais c'est des parpaings. Ils sont immangeables, je préfère vous le dire. Ah ! Et les sandwichs ? Les sandwichs, si, si, ils sont... Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Vous voulez que je vous vende peut-être du pain frais ? À 2 euros l'unité ? Non, j'ai pas besoin. Mais attendez, je vais vous ouvrir ma voiture parce que du coup, et mettre les clés sur le contact. Y'a pas de soucis, merci. Si vous voulez, vous avez la machine à café au fond, vous pouvez vous servir. C'est gentil. Très beau 4x4 en tout cas. Merci, merci. Ça vient de mon papa. Ah, il est gentil votre papa alors. Oui, il est adorable. Il vous fait confiance. Oui, je suis une fille à papa. Bon, après, faut pas dire ça, hein. À partir du moment où est-ce qu'un enfant... Enfin, l'enfant de deux personnes se porte bien, on va dire tant qu'il se comporte bien, il mérite tout, quoi. Il n'y a pas de fille à papa ou de fils à papa. Hein. Oui. je vais continuer mes courses. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, hein. De rien. Bah, moi, je suis une fille à papa, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, ok, là, j'ai acheté ce qu'il me fallait. Merci, t'as Eric pour ton compliment, merci beaucoup. Y'a plus rien à acheter là ? Putain, je vais m'acheter des chewing-gums, pourquoi je mange un sandwich au cas où je purée de la gueule après ? Oh, des donuts ! Allez, j'en prends 5. C'est pas grave, 5. De toute façon, j'ai la salle de sport à la maison. Si je prenais. Ces chewing-gums. Miam, 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 miam. Je vais passer en caisse. 6. Hop. Je vous laisse en premier payer du coup aux articles. Merci. Du coup, pour vous, l'essence, ça fera 60$. 60? Oui. Pour le moment, on peut pas effectuer de facture, donc je vous invite à... Voilà. Il n'y a pas de problème, voici. Voilà. Bah écoutez madame, passez une excellente journée. Merci, vous aussi. Mais là, ça scanne mes articles en fait. Ok, y'a pas de soucis. N'hésitez pas à repasser si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci, je range tout dans le sac. Vous voulez que je vous aide à porter jusqu'à votre voiture ou ça va aller ? Oui, vous pouvez m'aider à porter les packs d'eau s'il vous plaît parce que j'ai les mains débordées là. Y'a pas de soucis. Merci beaucoup monsieur. Monsieur, comment vous vous appelez ? Moi c'est James. Enchantée, moi James. C'est Anastasia. Enchantée. Hop. Vous pouvez les mettre sur les sièges arrière. Hein. Ok, y'a pas de souci. Parce que le coffre est rempli, donc... Hop. Voilà. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. De rien, bonne journée. Une bonne journée à vous et merci encore. De rien, au revoir. Un vrai gentleman. Bon, je vais appeler mes... Allô ? Ouais. Ouais, t'es où, Anna ? J'étais tiens, Claire. À la pompe. À la pompe ? Ouais, ouais. J'ai réglé des problèmes. Vous êtes où, vous ? On est au Crucial, il y a un mec qui fait un freestyle. Et toi, t'es où ? Oh. Ben, je viens de te le dire, j'étais à la Flash Oil. Ah, et maintenant, t'es où ? À la Flash Oil. Ah, ben, vas-y, on arrive. Salut, petit pain Nutella. Ben, je vais partir, là. Bah, attends, non, on arrive. D'accord, ben, vas-y. On arrive. Vas-y. Un gentleman. Mais j'ai une question derrière la tête. Pourquoi tu étais au cimetière ? Ah. 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 Mystère et boule de gomme. Ah putain, oh putain, ça commence... Oh là là, oh ça va me casser les couilles, hein, par contre. Je crois que ça commence à bugger. Oh, non, 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 non. Zen, soyons zen. Vas-y, j'ai faim à cause de ça. Moi, j'ai des Ferrero à côté de moi, là. Miam, miam, miam. Il me manque, Pat, je te jure. De quoi tu parles ? Yo, Aaron. Je pense qu'elle a perdu quelqu'un, Anastasia... Lui a manqué.
Bon appétit, merci, mais je mange pas là. Le mari est décédé, seule théorie plausible pour moi. Après, elle a pas qu'un mari dans sa vie. Anna, ouais, elle est née en Russie, ouais. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais c'est pas grave. Son chien. Oui. Monte. Où? Tu fais quoi? Quoi? Rien. Tu faisais quoi? Mais je vous attendais. Ah bah. Ouais. Devant ma voiture. Bah elle est où ta voiture? Je suis pas au téléphone. Ah. Okay. T'as bien dormi? Ça va? Oui, oui. Et vous? Anna, t'es vraiment trop bizarre. Quoi? Mais par contre, t'en as une là. Elle va avoir des ennuis, hein. Pourquoi? Non, mais non, arrête. Si, si, elle a chuté déjà un mec, hein. Qu'est-ce que t'as fait, putain? C'est rien. Pas possible. T'es rien, j'ai rien fait. J'ai rien fait. T'as un mec. T'es encore allé dans les toilettes avec quelqu'un? Non, 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 ça, c'est pas ça. J'ai malencontreusement éclaté sa caisse. Oh putain, et t'as fait un constat? J'ai pris la fuite. Oh putain. Bah après, il a pas appelé la police. Il a pas appelé la police. Mais t'es complètement irresponsable, ma pauvre Lucette. Ma pauvre quoi? Lucette. C'est quoi ça? Ma pauvre Lucette, ça veut dire que t'es ma pauvre Lucette. Je vous présente James. Quoi? Hein? Comment ça? Il travaille ici. Ah. Bonjour James. Bonjour, enchanté. Bonjour James. Vous allez bien? Ça va et vous? Mais ça va, ouais, ça attendez, va. Je vais me décaler un petit peu quand même pour que vous puissiez la voir. Quoi? Le 1? Ah oui, attendez, je me décale un peu. Oui, voilà. Comment ça? Voilà. Mais qu'est-ce que... Bah, je sais pas, vu comment t'as parlé de ouais. James. James. Mais je vous ai juste dit, je vous présente James. Mais ouais, je sens malade. Un style comme ça, t'as dit. Non, quoi? Mais alors là, par contre, calmez-vous, je suis une femme mariée, hein, donc... Hein? Bah vous savez très bien, arrêtez de faire les étonnés à chaque fois que je vous le dis. Mesdames, vous avez besoin du plein sur votre véhicule ou ça va aller? Bah non, on venait rechercher notre sœur. Ah ok, d'accord, y'a pas de souci. Bah si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. J'ai du pain à vendre si vous voulez. Vous, c'est comment? Oui, du pain, je vends du pain frais. Ok. Vous, c'est comment? Moi? Oui. C'est Cléa. Cléa, et vous, madame? Elena. Elena, ok, enchanté. Bon, moi c'est James. Enchanté, James. Vous passez une agréable journée, ça va? Ouais, merci. Mmh, ne bégayez surtout pas, c'est monsieur toi qui James. Bégaye, là. Bah, c'est toi qui bégayes là, ouais. Là, je constate qu'il y en a une qui est sous le charme. Hein, personnellement, je voudrais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais. D'accord? Ah, mais non, mais c'est juste mais que je constate. Ça va pas? Ah, si, si, là, t'es carrément en train de bégayer, Claire. Peut-être que t'es tombé sous le charme de James, hein? Ah, pas du tout. Quelqu'un. James, si vous voulez, on peut vous prévoir un rendez-vous entre Claire et non, ça ira, je préfère les bœufs. Au revoir. Allô? Quoi? Allô? Hein? Ah, allô? Ah, depuis quand elle peut faire... Quoi? Après, grand bien à ta face, mais tu attends, elle me l'avait jamais dit. Mais elle nous l'a jamais dit. Je mais suis ouais. désolée, mais à un moment donné, je fais c'est ce que c'est comme ça que tu vie. Sors du... Mais non, mais on n'a jamais dit le contraire, mais on s'attendait pas à ce que tu sors après, du placard comme ça. Ouais, ben, on m'a fait les placher avec les mecs. Mais pourquoi? Eh ben, on va t'arranger un point de neuf alors. Quoi? Ben oui, il fallait nous le dire. Putain, mais si tu préférais les meufs, on t'aurait arrangé encore avec une meuf, en fait. Mais j'ai pas besoin de meufs ni de mecs dans ma vie, je suis bien tout seul, ok? Laissez-moi tranquille. Tout seul? Oui, ben écoute, seul. Cléa est un mec bien, effectivement, oui. Non, c'est pas un mec. Par contre, là, je rigole pas. Je vais vous foutre une gifle, vous allez rien comprendre. Excusez-moi, ça va, c'est du second degré, excusez-moi. Ouais, ben moi, je rigole pas avec vos blagues à la noix, d'accord? À la noix. Ça va. Elle va vous briser vos noix, James. Non, ça va aller. J'ai encore comme pour but d'avoir des enfants, donc on va éviter. Vous voulez peut-être des enfants avec Cléa? Malade, lui, j'ai pas de barbe. Avec Cléa? Hein? Ouais. Des enfants avec Cléa? Elle vient de te dire qu'elle aimait les filles et tu lui dis... T'es oh merde, débile, putain. Quoi. Bah, avec Anna, alors.
Non, mais je suis mariée, bordel de merde. Mais alors, tu peux être mariée et aller voir quelqu'un d'autre. T'as cru que je m'appelais Elena ou quoi? Mais putain, mais je me suis jamais mariée, par contre, vous allez vite vous calmer. Ok, j'ai peut-être eu des hommes dans ma vie, mais c'est pas pourtant que je suis mariée. Je vis ma vie, en fait. J'ai pas dit que t'étais mariée, c'est juste que t'es un peu fiancée, mais bon. Quoi? Mais je suis pas du tout fiancée, mais qu'est-ce que tu prends? Mais qu'est-ce qui vous arrive, là, par contre? Là, moi, Non, par contre, toi, on va te trouver c'est trop, une meuf. Toi, non, ça va aller, j'ai pas de meuf. Tu vas divorcer parce que t'es carrément pas mariée, et moi, je suis pas du tout fiancée. Je suis carrément mariée, par contre. Là, ça me vexe. Ah ouais, à qui? Là, non, par contre, là, ça me vexe vraiment ce que t'es en train non, de non, dire. Non. Là, vraiment, non, il est temps que tu voyes un psy. Je suis une femme mariée. Mais allez, putain, allez, mais dans ta voiture. Eh ben justement, raison de plus. Anna, reste tranquille. Mais pas sa putain de caisse, bordel. Bah mets des lunettes. Mais on va voir le médecin, je sais pas, fais quelque chose. Frizy, putain, merci pour ton deuxième mois. Merci beaucoup, merci. Je vois pas sa voiture, putain. Je vais t'écraser ta grosse tête, là. Faites attention, je risque de vous faire écraser. Oula. Relève-toi. Mais je vois pas sa voiture, putain de merde. Putain, relève-toi. Ah, là, vous êtes juste en dessous de la roue, en fait. Ouais. Ah, voilà. Eh ben, regardez. Mais je la vois pas, sa voiture. Mais putain, mais tu sors d'où? De ma voiture. Harry Potter, mais je la vois pas, ta caisse. Pourquoi tu dis Harry Potter? Grosse connasse. Par contre, calme-toi. Ah. Ok, parce que là, je suis pas d'humeur à rigoler, en fait. Ouais, mais je la vois pas, ta voiture, par contre. Ouais, ben, j'en ai rien à foutre. Ouais, ben... Achète-toi une voiture que je peux voir. Non, je garde celle-là. Elle est très belle, sa voiture. Elle est très très belle, certes, mais moi, je la vois pas, en fait. Tu la vois pas? Moi, je l'aime beaucoup. Non, je la vois pas. C'est ce que tu dis aux mecs après avoir couché avec eux, c'est ça? Quoi? Mais c'est la vérité pure, putain, je la vois pas, ta caisse. Ouais. Tu sais quoi? Rentrez toutes les deux, vous m'avez... Allez, ça y est, elle va faire son coup, son caca nerveux. Ah oh, oula, oula, ça va? Cléa, ça va? Ça, oui, ouais. Oh. Allez, elle va foncer dans ma voiture, mais putain. T'es vraiment cinglé, citrouille, hein? Vous savez réparer les véhicules? Mais quelle voiture, ou pas? Putain! Non, malheureusement, je peux pas réparer les véhicules, mais si vous voulez, je peux vous appeler un mécano. Mais y a pas de voiture! Tu m'as éclaté! Vous voulez que je vous appelle un mécano? Je suis désolée. Anastasia? Je vais aller jusque là-bas, c'est bon. Je suis désolée, mais y a pas de voiture. Y'a pas de soucis. Merci. Bon, ça va, je pense que le pare-choc il est réparable, mais. Ouais. Faut voir si on peut le remplacer. C'est qu'un coup, mais bon, c'est pas grave, je vais aller voir. C'est rien. Okay. Attends, je viens avec toi. Au revoir, vas-y. Monsieur James. Au revoir, monsieur. Et désolé si vous l'avez mal pris, hein. C'était pas le but. Et oui, et désolé s'il y a eu des embrouilles. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous avez le droit. Hein. C'est... Non, non. C'est commun, ça arrive à tout le monde. Hein. Oui. Moi, si je m'embrouille avec mon frère jumeau, vous inquiétez pas. Ah. Bah écoutez, okay. Bonne journée. À vous aussi. Merci. Merci à vous. Pourquoi elle se vexe tout le temps alors que j'ai juste dit la vérité? Mais j'en sais rien, elle se vexe vite. Mais c'est la vérité en plus, putain, c'est une meuf à mec. Mais pourtant je lui ai dit de se calmer. Ouais, il est grave sympa. Mais je crois qu'elle comprend pas. Je sais même pas comment elle peut oublier que je suis mariée. Tu l'as pas oublié toi, hein? Bah non, j'ai rien oublié du tout, t'inquiète pas. Des petits mots de tête de temps en temps, là, c'est chaud. Oui, t'inquiète, moi c'est la même. Ça me casse les couilles, putain. Mm-hmm. Mais non, mais t'inquiète, prends, roule tranquille. Ouais, c'est ce que je fais, parce que... Mm-hmm. Ouais, il est tu sais qu'elle sympa. A chuté un mec, et en plus elle me non, dit... Non, mais elle est folle. Dis rien, nanani, mais il y avait les ambulanciers et tout devant le crucial. Mais elle est complètement malade. Après, j'ai entendu les flics tourner. Après, je fais, vas-y, c'est ma copine, je peux pas la laisser dans la merde. Je te jurais. Du coup, je suis allée avec elle, mais. Mm-hmm. Mais imagine si elle nous fout dans la merde. Non, mais. Ah non, commencez pas avec James, ça par contre. Mais en fait, c'est ça le problème. Si elle veut qu'on reprenne le business de son père, faut qu'on soit gentil avec tout le monde de mais face. Mais c'est ça, en fait. Et que derrière, bah voilà, mais là, elle est en train de faire carrément ce qu'il faut pas. Waouh, oh putain, merde. Et en plus, elle dit que c'est un bon exemple pour moi. Mais quel bon exemple, elle te donne mais pas du tout l'exemple. Bah, elle me dit d'aller voir des bah tu comprends, d'aller voir des gens quoi, enfin. Ouais mais de voilà. Toute façon on est d'accord. Mais non. Que... Oh putain merde j'ai cassé ma vie. Et on pour les filles je rigolais hein, c'était pour calmer bah, un peu après, le, tu sais, les choses. C'est ton droit, enfin je veux dire il y a pas de mal oui, à ça. Oui mais j'ai sais, pas moi envie aussi, qu'on me case. À ton âge je me questionnais ouais je comprends. Tu crois que je peux rentrer? Mais je sais pas, tout à l'heure on y a été et... Il y avait personne? Oh, quoi que si, je pense qu'il y a... Il y a quelqu'un?
Attends, je vais aller voir. Ouais, c'est... en fait, elles ont trois caractères complètement différents, mais ça se complète, quoi. C'est ça qui est cool. Excusez-moi. Wouhou. 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 Excusez-moi. Wouhou. 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 Ah bah je sais pas c'est qui la tête. Marlo. Marlo QDL. Wouhou. Y'a personne? Ben on dirait pas, je vais voir si je peux pas appeler. Mm-hmm. Tu veux pas essayer de contacter le trou du cul là? Ouais, vas-y, je vais l'appeler. Je vais voir pour... merde. Elena. Ouais, allez, viens. Oh putain, c'est envoyer un message, ça va me casser les couilles, frère. Bon bah, au moins ça s'est fait. Elle t'a raccroché à la gueule. Elle m'a dit, attends, je te rappelle. Ouais. Ah, bon, elle est sûrement sur un coup, hein. Ah bon? Ouais. Tu penses qu'on devrait aller l'espionner? Bah, il faudrait savoir où elle est déjà. Putain, il est sale ma voiture, ça me fout la rage, bordel. Ouais, bah, la mienne aussi, hein, mais il y a personne, du coup. Toi aussi, elle est dans un sale état? Mm-hmm. Mais putain. Je l'ai mis dans mon garage et j'irai la réparer plus tard, mais... Attends, je vais essayer de contacter le mec, là, pour le club. Mm-hmm. Vas-y. Oh yeah. Ah. Tu vas bien? Ouais, désolé, j'exerce un... Qu'est-ce que c'est que ça, frère? Oh mon dieu! Putain! Dépêche-toi, vite, dépêche-toi! Oh putain de merde, c'est quoi ce truc? Roule! C'est quoi ça? Oh non, 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 non. Désolée, mais j'ai complètement flippé la merde! Oh mon dieu! Attends, s'il te plaît, Crie pas, s'il te plaît, tu me stresses encore plus, putain! Mais c'était quoi? J'en sais rien, putain! Attends, je rappelle, putain, la pauvre, elle doit s'inquiéter. On rentre à la maison? Hein? Ouais. Ok, on va s'enfermer bientôt. Ouais. Elena, ouais. Rentre à la maison, dépêche-toi. On a vu un truc bizarre au mécano. Dépêche-toi, on va être à côté là-bas, vite, dépêche-toi. Dépêche-toi. Non. J'ai l'impression qu'elle me prend pas au sérieux. Comment ça, elle me prend pas au sérieux, frère? Elle fait ouais, j'arrive. Mais tu vois... Oh putain. Oh putain. Oh non, t'inquiète. Je vais faire une crise. Oh putain. J'aurais pas... Je regarde dans les rétros. Non mais je vais plus jamais au mécano, là, c'est moi. Non mais là, moi non plus, je vais pas là-bas. Je vais leur dire au mécano. Pourquoi vous avez un truc comme ça chez vous? Ok. Oui, allô? Allô? Va pas au mécano, t'es folle! Mais va pas au mécano! Non, mais elle est conne, quoi! Ah, merde! Viens à la maison! Viens à la maison, dépêche-toi! Elle a été au mécano! Non, mais elle est conne, ou quoi? On lui dit de pas aller! Putain! Oh, merde! Oh non, la porte est ouverte. Ferme la porte à clé. T'inquiète, j'ai fermé. Là, je ferme.
Ah voilà. Parce qu'on sait jamais. Là, je mets le mot de passe. Hop, okay. Voilà. Ok, ok, on monte là-haut. Oh, putain. C'était quoi ce truc? Oh, attends. Oh là là. Attends. Hier, on se fait aspirer. Aujourd'hui, on voit ça. Est-ce que c'est pas un test de Jerry encore? Je... Bah, je ne sais pas. T'as... Il est où, Jerry? On l'a pas vu? On sait pas. Je sais pas. Ok. Bon, j'ai besoin de me détendre un coup, moi. Vas-y, détends-toi. Tu veux que je te masse? Non. Ok. Non. Bah, tu peux me masser si tu veux. Oui, bah, avant, je vais fumer ma clope à l'extérieur. Ok. N'aie pas peur. Fais gaffe, peut-être ils nous observent. T'inquiète, je suis pas devant le... Oh. Quoi? Je sais pas, j'ai peur. T'inquiète, il y a un plafond en haut. Putain. Yo. Pourquoi ça nous arrive à nous, en fait? Attends, on m'appelle. Vas-y. Oui, allô? C'est moi. Ouais, t'es où? Bébé. Ouais, ben. Ah bah t'es là. Quoi? Ouais, mais c'est pas marrant, ok? Tu vas changer cette couleur de cheveux. Mais pourquoi? Ah oui, non, va changer ça, s'il te plaît. Bah non. Écoute, si. Je vais t'expliquer un truc. Je suis Gara du désert, je ne cherche pas ma couleur de cheveux, là, on est hors de question. T'as cassé ma voiture. Donc, quand on casse une voiture, on fait quoi? On va mais chez putain, le mécano. Mais j'ai pas cassé ta voiture, je la vois pas. On t'as cassé sa voiture quand même. Je la vois pas, sa putain de caisse. Comment tu veux que je la casse si je la vois pas? Et par contre, tu vas redescendre d'un ton, je te le dis. Non. Je la vois pas, tu me dis que je l'ai cassée alors que je la vois pas, il faut pas déconner par contre, hein. C'est pas de ma faute si tu montes dans une voiture qui est invisible. Ouais, mais c'est pas de ma faute si t'es la seule à avoir des putains de problèmes de yeux, ok? Ouais, bah justement, faut pas m'en vouloir pour ça. Bah si, parce que tu sais très bien que j'étais montée là où t'étais, et toi non, tu vas en arrière non, et tu fonces dans ma voiture. Non, je le savais pas. T'as foncé dans ma voiture. Je le savais pas. T'as foncé dans ma voiture. Je le savais pas puisque je ne te voyais pas. Et on vient de se faire je sais pas quoi par un putain de robot, alors me casse pas les couilles, je te le dis. Ouais. Allô? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? On a rien à foutre, putain, me casse les couilles. C'est un putain de robot? On a vu un robot. Comment ça vous avez vu un robot? Au mécano. Quoi? Oui, et quand on te dit va pas à un endroit, n'y va pas, c'est quand même... Putain, c'est quand même pas compliqué, meuf. La même couleur de cheveux que... J'étais en chemin. Que tes cheveux. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Mais toi, va te faire enculer! Mais toi, va te faire reculer, espèce de connard, va! Ah! De qui elle parle comme ça? Mais je sais pas! C'était Austin. Quoi? Quoi, ouais. Vous avez couché ensemble et ça a pas été non, ça? Non, on n'a pas couché ensemble. Bah, d'habitude, tu leur parles comme ça quand ça va pas. Écoute! Respirez un bon coup et pas à peine de crier. Allô? Ouais, salut, c'est Austin. Mais comment ça se fait que t'as mon numéro? J'ai volé ton numéro dans le téléphone de ta... Comment ça s'appelle? Elena? Ouais. Ouais, du coup, je me demandais si ça te disait de boire un verre parce qu'elle est chiante. Pour la faire chier. Ah! Ah ouais, putain, là, ça me ferait trop plaisir. T'as même pas idée, là, ouais. Vraiment. En plus, ouais, bah, pour ça, je suis t'invite chez moi, carrément, d'accord. Si tu veux. Ouais, bien sûr. Ouais? Ouais. Ça me choque. Ok. Vas-y. Je t'enverrai l'adresse. Merci beaucoup. Vas-y. J'ai hâte de te retrouver. Y'a pas de quoi. Quoi? Y'a pas de soucis. Ouais. Ouais. Ok, ouais, nice. Merci de réparer ma voiture, c'est gentil. Oh, elle parle sûrement de Jeff. Je vais me changer. Merci. Oui, beaucoup. oui, bien sûr. Ok. Ah là, je ne comprends plus. Vas-y, hein. Ouais. Ça marche. C'était qui? Quoi? C'est Austin, mais pour la faire chier, je vais aller boire un verre avec, ok? Quoi? Oui. Oh là 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 là. Il a dit c'était pour la faire chier. Ah, c'est un test. Du coup, je vais le faire. Ok. Ça marche. Vas-y. Je te mets dans la confidence. Ouais, t'inquiète. Je dirai rien. Ouais. Ouais. Parce que je suis mariée quand même, hein. Oui. T'es mariée, oui. 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 Faudrait que t'as cherché tes papiers officiels, hein. Ah, mais je les ai.
Ah oui, tu parles de ce... Ouais. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais. Bon, ok, je... Ok, y a pas de problème. Par contre, fais attention. Hein. Quoi? Oui. Rien. Merci, Multigame. Et pourquoi je devrais changer ma couleur de cheveux? Bah, parce que ça rappelait la couleur du robot, en fait. Oui. Le robot, il est par contre, tout rouge. Je vois que tu tiens ton truc Rebelle Radio. Hein. Je vais réparer ma voiture. Ouais, ouais. J'espère qu'elle va me suivre en filature. Hein. Ah merde, je prends du doigt. Carrément pas, en fait. Le but, c'est qu'elle me suive, là. Comment elle a réussi à m'envoyer une position, lui? Elle voit pas ta caisse. Ouais, mais Angel la voit, c'est pour ça que je l'ai dit. Ouais, c'est vrai qu'elle voit pas ma caisse. Buffalo gris. Putain, merde, fais chier. Faut qu'Angel me voit. Merde, je vois pas arriver derrière. Non, c'est pas elle. C'est chier. Yo, Tessnimo, comment tu vas? Envoie-lui. Les messages marchent pas! Après, c'est clair que je pourrais la suivre en filature, du coup. Ça va et toi, Multigames? Merci encore pour les 100 bytes. Le plan tombe à l'eau. Ah. Me dis pas qu'il arrive à écrire des messages. Pourquoi lui il arrive à écrire des messages et pas moi? Attends, je comprends. Ah. Attendez, je vais juste voir si... Frère, on m'a bourré dans le cul. Non, putain. Non, ok. Il y a full bug, c'est ça. Allez, sachez qu'il y a full bug. Attends, donc... 5M a patch le bug, faites un reboot de votre 5M pour faire la mal. Comment on fait un reboot de 5M, les gars? Apparemment, je dois faire un reboot de 5M. Je décoroco? Genre, je vide mes caches, non? Attendez, ouais, je vais faire ça. Attendez, je vais faire ça.
Je vais juste me garer, sauvegarder ma position. Oh merde, il est là. Hey, dis-moi, est-ce que tu saurais juste attendre le temps que je fasse pipi si t'as des toilettes? Ouais, j'ai des toilettes. Tu veux rentrer à l'intérieur ou des toilettes dehors si tu veux? Dehors, voilà, c'est bon aussi. La porte qui est là. La porte qui est là? Ok, merci. Ouais. Vas-y. Ah, ok, ouais, merci. Bon, attendez, du coup. On va régler ça. Alors, je vais vider mon cache. Alors, hop. Du coup, ça va me retirer mon... ouvrir l'emplacement du fichier. Non, Fiona, elle a le bug depuis... En fait, elle a jamais vu ma... Elle a jamais vu mon... Je sais pas pourquoi, elle a jamais vu mon... Pardon, j'ai roté. Elle a jamais vu mon... Putain, j'arriverai à le dire ou pas? Elle a jamais vu ma voiture de pied. Ouais, je pisse contre la porte, c'est pas grave. Bon, là, ça supprime. Par contre, franchement, ça met 30 ans, je veux bien, mais... Voilà, ok, c'est good. Alors, je fais ça, ça. Je vide ma corbeille, hop. Non, t'inquiète, j'ai pas supprimé Game, t'inquiète. Imaginez, j'arrive plus à me reco. Vas-y, là, je relance. On va voir, hein. Moi, j'ai préféré pas vider. Putain, moi, j'ai vidé, hein. Je sais pas, on va voir. Ah, bébé, t'es là, Abdul, je viens de t'envoyer un MP. Je vais voir, hein. Attends, j'espère que ça... Ça va rien faire de mal. Ça a l'air de lancer. Mais du coup, t'as relancé pour m'envoyer un message, Abdul? Moi, je vide pas par rapport à... au skin et plein d'autres... que je vais perdre. Bon, là, ça a l'air de lancer. J'espère. Mais comment tu m'as envoyé ta pause? Comment t'as fait pour m'envoyer ta pause, en fait? C'est ça que j'ai pas compris. Parce que ça marche pas. Je sais pas, moi ça marchait pas. Oh, wow. Attendez, là, Camille, merci pour les 5 abonnements offerts de niveau 1 et merci Joachim pour les 10 abonnements offerts tout d'un coup là. Merci beaucoup les gars. Wow. Merci pour les 15 subs offerts. Wow. Je m'attendais pas à ça. Merci beaucoup. Fallait pas, ouais. Merci. Oh, yeah. Bon, ben vous avez entendu, ça se lance, hein. Là, ça se lance, c'est bon, on va voir. Merci, les gars, merci beaucoup. Tiens, mais Camille, arrête, tu m'en as offert plein hier. Oh, merci. Oh, yeah. Oh my god, Camille! Merci pour les 10 subs offerts, mais stop, wesh! Merci! What the fuck? Merci beaucoup, putain! Oh là là, ça me donne chaud là. Ouf, merci. Merci beaucoup Camille et Jo, merci encore. Oh là là.
Merci les gars. Fallait pas, vraiment, merci beaucoup. Ah, ça charge, oh là là. Merci, merci Camille, fallait pas, vraiment, merci beaucoup. Oh là là, oh là là. Yeah. Oh là là, déjà mon écran de jeu là, il me fait peur. Oh putain. Ah oh, mais mes packs, frère. Attendez, parce que là, mes packs, c'est juste pas possible, faut vite que je les remette. Attendez, hein. Que je remette tout là. J'avais quoi encore? Ça. Ça. J'avais quoi encore? Faut que j'aille voir vite. Putain, merci pour les. Aïe aïe aïe, attends, j'avais pas vu. Merci Multigames pour le sub offert. Oh, oh lolo. Et merci Wolf pour les. Oh là là, pour les 500 bytes. Merci beaucoup. Merci, merci les gars. Merci pour tout là. Oh là là. C'est trop, merci. Oh yeah. Attendez. Attendez. C'est bon, je crois que j'ai mis tous mes packs. Merci beaucoup. Non, je crois pas que c'est Anastasia. C'est une meuf qui m'a demandé de réparer son véhicule. D'ailleurs, il est où ton véhicule? Non. Il est où ton véhicule? Oh putain, oui. Je vois rien, attends. Je suis mort. Pourquoi tu veux venir chez moi? Ah oui, maçonnerie, bien vu. Oui, mais là, je suis pas en service. Et ce qui t'arrive en fait, je comprends pas. Attends, je le vois pas. Ouais, j'attends. Un truc rouge. Ça doit être un dragon chinois, non? Oh yeah. Mm-hmm. Mais tu penses que si j'habite dans un bunker ou quoi? Ah, je sais écrire. Mm-hmm. Ouais, ok. Attends, hein. Je te rappelle. C'est ta sœur, non? Allez, Elena. Hein? Attends, parce que tu sais que j'ai du mal à te distinguer là. J'ai l'impression que j'ai trop de lumière dans mon ouais visage. Ouais, je. Ouais. Ouais, là oh, je. Oh putain de merde. Tu vois ou attends pas? Attends, je vais regarder ça. Oh yeah. Je vais serrer. Oh là là. Là, je vais serrer. Ouais. Attends deux secondes, je vais regarder qui m'a appelé dernièrement. Attends, Elena m'a appelé. Ah. Oui. Oh, t'es où? Où je suis? Oh, ouais. Oh, oh putain, pardon monsieur Charles Dassault. Ah non, je te rappelle.
J'arrive, hein, je vais dormir un coup. Mais non, je crois que c'est moi qui dois dormir. Ah. Parce que tout allait très bien avant que je dorme. Avant que je pisse. Bah, peut-être que... Je tasse. C'est rapide. Bah, allez, hein. On verra. Ouais. Je dors, hein. Oh, yeah. Putain, ça casse les couilles, ça. Moi, je sais pas si je vois les autres. Attendez. Attendez, hein, je vérifie un truc. Attendez, il y a encore eu des bails de se faire, là. Non, j'ai pas de pack de son, moi. Elle est jalouse. Mais ouais, mais là, je sais pas ce qui se passe chez elle, par contre. Mais attendez, là, je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4... Ah, il m'en manque un. Ah oui, c'est celui-là que j'ai pas. Ok, là c'est bon. Si je fais ça. Bah, ça a l'air de bon, je sais pas. Oh merci, merci, merci. Bonsoir, DVR. Ça se trouve, c'est moi. Non, je crois que c'est moi. Parce que je te voyais très bien. Regarde, je te vois pas. Regarde. Non, il a pas fait un sort. Je vais l'appeler. Allô ? Anna ? Qu'est-ce qui se passe ? On est au Comico, là. Vous êtes au Comico, qu'est-ce que vous avez fait ? Tu sais le robot qu'on a vu au mécano, là ? Ouais. Il nous a pourchassés. Comment ça, il vous a pourchassés ? Il y a eu des explosions partout derrière nous. On s'est réfugiés dans le Comico et là, ça explose de partout. Vous êtes en sécurité ? Je crois pas qu'on est en sécurité, hein. Écoute, attends, je vais arriver vous chercher ça, avec... Non, fais attention à toi, ça tire dans tous les sens. Encore là, maintenant ? Ça tire ou pas, là ? Non, ça tire plus, elle dit. Ok, écoutez, restez encore un peu à l'abri. Je vais arriver, d'accord ? Ok, mais fais attention à toi, c'est trop dangereux. Oui, t'inquiète, attends. Ok. Écoute, je sais que c'est... Attends, tu sais quoi, je vais dormir parce que ça me perturbe de parler dans le vent. Oui. Attends. Va-t'en. Juste une petite sieste, hein ? Oui. Je fais une bière sauce. Quoi ? Tu fais une berceuse. Ah frère, ça me fait serrer. Ouais, je bug au mauvais moment, mais ça me... Casse les couilles, je te jure, Edwin, je vais péter un câble là. Je pense que ça me rend fou. Vous entendez mon désarroi, mon désespoir? Je pleure. J'ai l'air d'être. Ou de paraître peut-être. Zen, mais au fond de moi, c'est le volcan. Je suis en train de serrer tellement fort. Je suis en train de péter les câbles, parce qu'il n'y en a pas qu'un, là il y en a plusieurs. Et pourtant, on dirait que le calme me gagne. Alors que c'est tout le contraire. Serais-je brisée ? Serais-je à deux doigts de tout exploser ?
Je suis en train de serrer. Non, tout va bien. Wolf, merci pour les 500 bytes. J'essaie de rester calme et de ne pas pleurer, mais... Wow. Oh putain, arrêtez de m'appeler, je suis en train de péter un câble déjà. Vous voyez pas que je suis en train de galérer, putain. Me faites pas péter un plomb, si je le vois pas, je me casse. Putain, j'ai pas écouté. Elle est déjà... Ah, putain, je le vois. Oh putain, j'ai retrouvé la vue. Oh. 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 Attends, j'ai eu un appel encore. Moi, si je te touche, je te sens, là. Ah, ouais. Oui, t'as vu, je suis réelle, hein. Ouais. Enchaîne. Allô Allô, mais c'est où le truc qui m'a rentré dans le comico, mais je... Quoi? Oh putain. Arrête de pleurer, calme-toi. Ça fait des étincelles, ça fait vraiment quoi? Très peur. Ouais, je sais. Est-ce que la zone. T'es où? Je suis chez quelqu'un là. Est-ce que. Mais t'es chez qui, putain? Mais non, on est au comico, y'a personne, putain, les filles qui sont là, ils bougent pas leur cul. Et est-ce que ça explose? Il fait des feux d'artifice. Putain, mais je peux pas venir vous chercher si c'est trop dangereux. Austin, il faut qu'on aille les chercher. Austin! Quoi? Je. Oh, elle m'a raccroché à la gueule. Ils sont où? J'ai dit ton nom. Allez. Dis-moi. Oh merde. Oh. Mais attends, parce que on n'a pas le temps de rigoler. Pardonné. Elles sont en danger là, elles sont en danger. Mais moi, elle m'a jamais le pas. Tu te rends compte là ce que tu veux? Je dirais que je t'ai croisé sur le chemin. Oui, au pire, oui. On s'est rejoint. Vas-y. Là. Ouais. Comment ça t'es avec Austin, putain? Je l'ai croisé sur le chemin en venant au comico. Comment ça? Quoi? Mais vous êtes carrément pas au comico. Oh, en venant, j'ai pas dit que j'y étais. J'arrive. T'as là. T'as dit que t'es chez quelqu'un, putain, t'es pas... Oh merde, mais ta gueule aussi. T'as dit que t'es chez quelqu'un, putain. Allô? Oh, ouais. 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 C'est plus sécurisant si j'arrive avec lui, tu comprends? Y a plus rien, c'est bon. On arrive à chercher. Oh putain, ça explose. Austin, c'est dangereux, je crois. On a une BM. Si ça explose, on accélère d'un coup, tu vois. Mais t'as cru que ta BM, elle était inflammable ou quoi? Je sais pas, faut tester. Putain de merde. Écoute, Elena en colère, Austin en galère. Oh, mais elle arrête pas de m'appeler en plus. On va dans le nord, on se tire vers le nord. Vous allez dans le nord. Mais attends. Laissez-moi vous attraper au passage. Je suis avec Austin, putain. Rendez-vous au casino. Au casino, ok. Rendez-vous au casino. Ok, c'est pas une bonne idée, mais ok. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que le casino, c'est un grand truc, tu vois, il est énorme. Mais c'est... On les prend juste et on se barre. Ok. Mets-moi une musique d'action. Mets-moi une musique d'action. Hein? Où ça? Non, je crois pas. Oh, il y a du monde. Non, c'est où ça? Ah si, oui, elles sont là. On est là! Qu'est-ce qu'ils font? Mais le 4x4, il est plus bas. On est là! Qu'est-ce que... Faut monter, hein. Allez, hein, on y va. Mais okay. Ma voiture là. C'est pas grave, laisse-la là. Laisse-la. Putain. Elle vaut moins que... C'est un héritage. Mais t'inquiète pas, on viendra la rechercher. C'est trop dangereux, la ville, les gars. Putain, mais mon 4x4 est plus sécurisant que cette voiture-là qui glisse sur cette putain de neige. Écoutez, c'est pas grave, on va aller chez Austin, on est en sécurité là-bas. Déjà, qu'est-ce qu'elle vous fait ensemble? On s'est croisés sur le chemin. Je l'ai croisé. Ouais, on s'est... Qu'est-ce qu'il y a?
Quoi? Rien, on s'est croisés. Ça sent le parfum de femme, ça me... Ah bon? Pour ça, je suis douce. J'ai envie de foutre la merde, les gars, vous et me connaissez. Et puis même s'ils se sont croisés, y a rien de mal. Bah oui. Oui, voilà. Je croyais que tu voulais plus me voir, d'ailleurs. C'est pas ça! Mais quoi, t'as peur qu'elle couche avec... avec lui? Quoi? Mais carrément pas, rien à foutre. En 10 minutes, ils n'ont pas eu le temps de faire ça, hein. Ouais, mais c'est 20 minutes peut-être. Quoi? Quoi? C'était quoi, 10 minutes ou 20 minutes? Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Non! Qu'on s'est croisés, je veux dire! Ouais, ah, vous êtes croisés pour emboîter, c'est ça? Non, mais t'es malade ou quoi? Je suis une femme mariée! T'es une femme mariée, putain, mon cul! T'es une femme mariée, tu lui fais cocu à la Costine! Comment ça, cocu? Il s'est pas dans le cul, hein! Mais moi je connais pas les termes et tout, désolé hein, j'écoute plus rien. Et c'est à qui cette voiture rose là? Bah ça j'en sais rien. Ça ma soeur. Wow. Elle a pas de goût. Elle a vraiment des goûts de merde. Vous voulez que je foute la merde? Oui. On est où? On ça dans le garage. Aïe! Oh là, oh pardon. Mais putain! Bah bienvenue. Okay, mais ça va pas? Quoi? On est descendu de la voiture quand même hein. Ok, bah, j'ai vu foute ça, la merde. C'est bien. Tu me fais marier non, ok, on fout la merde. Merde. Allez, viens. Alors, il y a un mot de passe. J'espère que c'est encore là. Non, hein, quoi? Il y a une terrasse. On est un peu une en terrasse. Sinon, on va chez nous, hein. Oh, pire, parce que je pensais qu'il y avait encore ma maison. Je suis dégoûté. On va chez vous, du coup? Ah ouais, merde, du coup, c'est moi l'invité, là, du coup. Ah ouais, il y a moins d'impact. J'avais pas laissé mes clés aux toilettes. Quoi? Ouais, quand j'ai l'autre. Non, on a fermé. On a fermé. Hein? Hein? Alors, non, là... Alors, là... Comptez plus sur moi. Mais de quoi tu parles? Alena, viens. Je te parle, putain, elle avait envie de pisser, putain de merde. Elena, je sais plus comment ça. On pense c'est quoi pour la poubelle, elle va la mettre dans la poubelle. Depuis tout à l'heure, elle crie. Je te jure, depuis tout à l'heure, elle crie, ça me rend fou. Elle pas sur moi. Elena ou Alena? Elena. Merci. Elena, viens ici. Ah. Mais. Arrête pas de crier. Ferme la poubelle. Oui, je la ferme. Voilà. Hop. C'est ça. Attends, mets la poubelle dans le coffre. Mets la poubelle dans le coffre. Y'a trop d'émotions. Là, je mets. Alors là, voilà. Alors là, vous allez me le payer. Sur ta voiture. On est dans le coffre, Allez, en voiture. Allez, on y va. Monte devant si tu veux. Hein. Ouais, je monte devant, j'ai l'habitude d'être devant avec toi. Ouais. C'est qui s'énerve comme ça? Mais c'est elle qui frappe dans le. Dans la poubelle. Ouais. Putain, mais ça va monter, putain, pas dans là. Elle est vraiment bizarre. Là, c'est plus Elena, c'est mais c'est elle a la haine là. Plus que la haine, je crois. On dirait ma soeur là. La haine là. J'étouffe. Oh putain. Respire un bon coup et on cherche pas tout de suite. Hein. Il y a une clim dans le coffre. Attends, j'en ai un coup, ah, ça fonctionne. Oxygénation. Voilà, c'est bon. Au secours. Je vais me faire détruire. J'appelle la police. Oh, ferme-lui sa gueule, putain. J'appelle la police. Y a si pas tu de... continues, je mets le chauffage. Y a pas de réseau dans la poubelle. J'appelle la police. Y a pas de réseau dans la poubelle. Putain. Après, quand son gros momo, il va descendre, qu'il va lui allez, couper la connexion, voilà, là, elle va encore faire... Voilà, t'es mis ma main dans ta bouche et tu vas te mais taire, hein. Mais elle est dans le coffre de la poubelle. Quoi? T'as encore tout suivi. C'est la pire, je peux plus. Bah, en même temps... Tu t'attends à quoi? D'une meuf qui met des bouts de caisse dans son oreille, frère. Elle met pas des boules de caisse, elle met des bouts de caisse, frère, dans son oreille. Oh, laissez-moi tranquille, là. Je me demande comment t'as fait un trou dans la poubelle ou quoi? Là, tout troué, là. Sortez-moi. Ferme ta gueule, putain. Toi, ferme ta gueule, putain. Si tu continues, je t'emmène à la déchetterie. Si. Espèce d'ordure. C'est toi l'ordure, espèce d'enculé. M'adresse plus jamais la parole. Bah ça tu m'as dit hier. C'est toi qui elle m'a dit rappelé. Que c'est toi l'ordure alors que celle qui est dans une poubelle. C'est où votre maison là? Mais putain frangin.
On voit pas là. Ah, si, si, mais putain, elle a plus de sommeil, ouais. Elle est bientôt arrivée. Alors la poubelle, non, c'est même plus, pas moi qui réagis. Non, elle entend plus. En même temps, elle est secouée, elle a la poubelle. Qu'est-ce qu'elle arrive? Pourquoi elle parle plus? Sinon, t'as bien mes toilettes, t'as vu, c'est des toilettes japonaises. Ça, ouais, elles sont trop bien, putain, ouais. Avec de l'eau. Ouais, ouais, ouais. Ça a failli me faire serrer à un moment, je t'avoue. Hein. Ouais, ça m'a tellement nettoyé le cul, je voyais plus rien, frère. Quoi? Ouais, je vois. Le jet d'eau était puissant. Ah putain, c'est ici, ouais. Ok, je me gare. Hein. Le jet d'eau a été puissant. Ah ouais, carrément. Après, ouais. Et Elena. Oui? Elena, plutôt. Faut la mettre... Oui, on va la sortir du coffre. Oui, oui, tu mets la poubelle juste à côté, tu sais, là où il y a le carton. Oh, allez, on sort la poubelle. Et on sort la... Voilà. Hop là. Allez, on déballe. Hop là. C'est bon. Je m'éloigne. Hop là. Ah, t'es sûr. Fallait s'attendre, hein. Oui. Mais ça va pas. Ah. Peut-être sa famille, non? Moi je grimpe, hein, parce que... Mais ça va pas, tu la touches. Ah. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Ah. J'ai l'impression d'être sa mère, hein. Mais on dirait que c'est toi la plus âgée. Enfin, nous. Oui. C'est censé être elle, la tête forte. Mm-hmm. Et elle craque pour rien. Surtout voilà. Pour un mec. En plus, nos parents nous ont toujours dit « L'amour, ça peut vous faire perdre les pédales. » Alors, sachez pédaler avant d'aimer. Voilà, et elle perd les pédales. Ouais. Bon, allez, on y va. Ok. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Elle me court après pour me frapper. Hein? Comment ça, elle veut te frapper? Tu tapes pas le monsieur, quand même? Si, je le tape. Non. Non. Connard. Protégez-moi. Allez. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est complètement folle. Attends, excuse-moi, t'es en relation avec elle ou ça se passe comment? Bah non. Bah qu'est-ce qu'elle a à péter un câble ainsi? Elle est folle. Elle est complètement barrée cette meuf, elle est barge. Ah c'est règle. C'est une bargeotte. Non, laissez-la tranquille. Non, c'est une barge. Ça se trouve, elle a des soucis, elle vous dit pas des... Mais non, on sait tout les unes sur les autres. Tout, hein. C'est ça chez vous? Oui, c'est ça chez nous. Oui. Côté de la mer. Oui. Oui. Vous pouvez aller faire du surf si vous voulez, il y a des planches. Ah non, moi je sais pas surfer. Ça vient. Ah. Je m'amuse à ouvrir et fermer. Moi je surfe seulement sur le net. Vous êtes un chien? Venez, on y va. Vous avez un chien? Oui. Il s'appelle Jekyll. Comment? Jekyll. Oh non, non. C'est mignon, tu vous trouvez pas? Tu vas voir, ta maison va vite disparaître. Oui. Je vais te retrouver, je sais pas où. T'as un beau marmaille, mon chien. Austin, est-ce que tu veux que je te serve quelque chose à boire, Austin? Laisse-moi te débarrasser de ta veste, Austin. Tu as l'air d'avoir chaud. Bien sûr, bien sûr. Merci. Hop là. Tiens, mets un t-shirt. Ouais. Tiens, je te rends ton t-shirt. Oui, oui. Par contre, ne faites pas à côté. Enfin, vous faites pas des trucs bizarres à côté de moi. Ta veste. Quand même, hein. Mais non, voyons. Austin, que désires-tu boire? Ah, salut, je ne t'avais tout pas vu, Elena. Tout sauf de l'alcool. Tout sauf de l'alcool. Elle a dit. Enfin, il a dit, pardon. Tout sauf de l'alcool. Elle a quel âge, c'est ça? Elle a 26 ans. Alors. Après, moi, je suis une femme mariée, hein. Quoi? Pourquoi vous dites ça? Et moi, j'aime les filles. Ah bon? J'ai l'impression qu'elle a tendance à oublier que je suis mariée. Vous, vous aimez les filles? Oui, elle adore ça. Oui, mais j'ai jamais testé, vous voyez? Avec un homme ou une femme. Faut tester avant de dire que vous aimez quelque chose. Bah je sais pas encore, hein. Vous avez déjà essayé avec un homme? Non, jamais. Je touche pas à ça, moi.
Elle est... Comment ça, ça? Elle est complètement... T'es à l'ouest, coincée, toi? Coincée des fesses. Ah bah là, pour être coincée, t'es coincée, hein. Quoi? T'es jamais décoincée? Non. Mais il est malade, lui. Mais non. Ah bah là, pour être coincée, là... Voilà, ah, c'est bon, hein, laissez-moi tranquille. Ah oui, pardon. Décoincez ma pote et laissez-moi tranquille, hein. Quelle pote? Merci. Elena. Oui. Elle aurait besoin d'un bon coup, là. Oui. Même un beaucoup, hein. Ouais. Un beaucoup. Les deux. C'est quoi, vous m'avez dit? En fait, je pense qu'elle a vraiment un crush sur vous. Non, de l'eau. C'est jeune. J'ai pas eu le temps de pisser. Jeune. Ah oui, j'ai pissé dedans. Du coup, mais en fait... Quoi? T'as pas fait ça? Je suis sûre qu'elle a pris la voiture de... Attends, est-ce qu'elle a... Attends, elle est partie comment, cette pétasse? Je sais pas. Oh oh. Oh oh. Oh putain de merde. Oh bah là, il est dans la merde. Austin. Oh oui. Elle est partie avec ta voiture. Comment ça? Elle est partie avec ta voiture. Et alors que tu l'as fermée à clé et que t'as pris les clés. Au cul. Allez, mais bonne chance pour aller la chercher, hein. Bon bah rip. Oh là là. Ah là, c'est juste un prétexte pour qu'il y aille, tu vas voir. Viens, on va un peu sur le toit. Mm-hmm. Il faut que je contacte Monsieur Dassault. Ah oui, c'est vrai, il y a lui aussi, putain. Ouais, il m'a envoyé un message, il prenait son petit déjeuner. Ah ouais, au calme. Ah, oh, putain. Putain, les fleurs, elles cassent les bonbons, hein. Les fleurs? Oui. Tranquille, les roues, chaque chose en son temps. Oui. Non, mais... Ah! On est bien là! Oui, il y a un petit feu en plus. J'entends, vous êtes où? On est sur le toit. Sur le toit. Sur le toit. Oui. Faut monter les escaliers. Sur le toit. Oh. Stylé. Oh, votre sœur là, ou je sais pas qui là. Elle a volé Marquès, je sais pas ce qu'elle en a fait avec. Ah. Ben, il faudrait mieux la retrouver, vous savez. Essayez de l'appeler. Elle est pas balisée. Elle me dit, ouais, je suis dans les explosions, je sais pas quoi. Elle est encore dedans? Alors que clairement, j'entendais rien autour d'elle. Hein. Mais elle... Oh là là. Bon, il répond pas. Ah, bah, c'est écoute. Pourquoi ça? Je vais l'appeler. C'est le jouet de Jekyll. Ah. C'est plutôt le jouet de mademoiselle, non? Elle aime les femmes. Non, non. Ah non, moi c'est pas à Jekyll, vous inquiétez pas. Installez-vous. Je me permets. Oh, il fait beau et froid. Ouais, regardez, ça va, je vais lui envoyer un message. Je ne savais pas que notre amitié passait après un garçon. Tu me déçois. Oh là là. Voilà. Oh là là. Du coup, j'ai essayé d'appeler le monsieur, il ne me répond pas. Ok. Bon, du coup... Du coup, on est bloqué ici. Mais je sais pas, on n'a pas de voiture. Mais je comprends pas, Austin, vous allez pas chercher votre voiture ? Austin ? Aïe ! Il y a le feu ! Oh non ! Oh ! Oh putain, j'ai eu... Oh ! Oh putain ! Oh putain ! Je me disais bien si vous voyez pas le feu, putain. Ah mon dieu, au secours ! Waouh ! Ne vous inquiétez pas, je suis votre sauveur. Non, Cléa ! Oh
mon dieu, lancez-la dans la piscine! Cléa! Attends. C'est pour ça que je me dis, vous voyez pas le feu ou quoi? J'ai eu peur. Ça va aller, ça va aller. Oh putain! Cléa! Hop là. Ça va aller? Cléa! Il y avait de la neige sur vous, heureusement. Cléa! Elle est où? Faut que je... Il y a les pompiers! Là! Oh putain, il y a les pompiers! Attends, je suis curieuse de voir comment ils vont faire. Bon, votre copine, là... Elle répond pas. Ah ben, ils en ont rien à foutre. Ah, ok. C'est quoi ces pompiers de merde? J'en sais rien, c'est vraiment des pompiers. Allez, venez, on y va. Ouais, on va pas s'éterniser ici quand même. Vous allez où? Dans ma voiture. Elle est où? Qu'est-ce Elle est tombée. Mais c'est pas possible. Cléa. Pourquoi vous prenez? Vous m'allumez, vous me faites rire. C'est pas possible. Vous êtes une catastrophe. C'est une catastrophe sur pattes, cette meuf. Vous êtes incroyable. Si vous auriez été hétéro, je pense que j'aurais choisi vous. Ah ouais, venez alors. Quoi? Quoi? Elle a dit venez. Oh mon dieu, je vais faire pipi moi, j'arrive. Attendez les gars, je dois vraiment trop pisser par contre. Oh, là tout d'un coup, ça m'est venu une pisse incroyablement fulgurante. Oh, c'est trop. Oh, c'est pas grave, j'ai pissé à côté de la planche. Hein. Bon, j'arrive, les gars. C'est quoi cette pièce? Oh, pardon! Oh, mais elle est dégueulasse, putain de merde. Oh, moi, je m'en... Ah, moi, je me taille, hein.
Ouais, re. Ouh. Hop. Tu en as mis du temps. Bah, hey, je devais pisser, les gars. J'en peux rien, j'ai... J'aurais pu faire pompier, là. Comment ça, il m'a espionné? C'est vraiment un gros porc, hein. Il prend elle. Ouais, y'a pas de soucis, prenez elle, y'a pas de... Oui, oui, y'a... Oui, oui, bien ça sûr. Va, de quoi? Ah, ben en fait, il essaie de me charro, du coup, vu que ça marche pas, ben il non, a ça, dit, bah, je vais prendre elle. Ouais. C'est un pas ou quoi? Voilà, qui est elle? Simplement. Mais qui est elle? Toi. Mais je suis quoi, une femme mariée. Un pas, mais ça va pas. Tu parles d'un voiture, que tu m'as dit? Ouais. Non, 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 mytho. Oh, pardon. Ah oh, pardon, je l'ai pas fait. Non, j'ai alors pas fait ça, là. Alors là, je vais vous tuer. Comment ça, il m'a... Ah. J'ai pas voulu faire ça, putain de merde. Oui, bien sûr. Vous êtes... Ah aïe. Ah oui, carrément. Alors là, si vous voulez que ça part en bataille de Clark, non, là, non, non, non. Vous ne levez pas la main sur elle, ok? Si elle a pris la voiture, l'autre, c'est pas de ma faute, et c'est ni de sa faute à elle. Mais oui, je sais que c'est pas de sa faute. Et c'est pas la peine de me draguer, ça marchera pas. Mais je vous drague et... pas, putain de merde. Et la claque, c'était aussi pour quand vous êtes rentré quand j'étais aux toilettes. Quoi? Comment ça, je suis rentré? Je suis une femme mariée. Mais non, il est rentré dans les toilettes. Oui. Pendant mais que je quel cochon celui-là! Mais comment ça, je suis cochon? Je me... Aïe! Ah ah. Mais le malade! On dit une pipe. Bon, faut que je garde mon sang-froid. Ah, on m'avait énervé là. Bon, téléphonez à cette grosse salope là déjà. Mais essayez d'arranger les choses, elle a pris votre voiture, putain de merde! Mais c'est une tarée mentale. Je sais, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites, vous? Elle veut le chèque, je crois. Qu'est-ce que vous qu'est-ce faites? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux savoir une crampe? Que tu fais. Oh, pardon! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pardon, c'est... Bon, c'est écoutez, juste qu'il m'a foutu trop de claques, là! Je propose qu'on parte chacune de nos côtés. Enfin, chacun de notre côté et qu'on essaye de la retrouver, ok? On va faire tous les grands points. Bah, je la retrouve pas, c'est des merdes. Je veux bah écoutez, bah oui, mais justement, c'est pour retrouver votre putain de voiture que je fais ça. Mais qu'est-ce qui... Ah, voilà. Vous avez fait quoi, là? Un doigt d'honneur. C'est un bras d'honneur. C'est pareil, hein. Bon, allons, on y va. Mais moi, j'ai pas de voiture, donc je suis dans la merde. Ouais, ouais. Ouais. Et putain, et quand on a besoin, il n'y a jamais de voitures qui sont là, c'est pas possible. Hein. Ouais, si, regarde. Sur le parking, je parle. Mais il n'y a rien. Sur la route, j'arrive. J'ai mon badge policier, je vais réquisitionner. On va se mettre en radio, d'accord? Comme ça, on s'y est informé. Oui. Cette grosse pétasse. J'en reviens quand même pas que la meuf... Mais elle répond pas. Non, en plus, en fait, ce qui me tilte, tu sais, c'est qu'elle vient de mettre sa vie en danger, mm-hmm. Ok? Il y a eu des explosions, etc. Et ma main a coupé qu'elle est en centre-ville. Mais non. À croire, elle cherche la merde, en fait. Je sais pas t'expliquer. Ouais. Pourtant, avec moi, je lui ai dit d'aller au Comico directement parce que pour moi, c'était... Ah, il en faudrait une deuxième, s'il vous plaît. Deux et même... Oh oui, il faut qu'on ait une voiture chacun. Ah, d'accord. Merci. Tiens, prends la clé. Voilà. Ouais. Mais non, mais c'est pour rechercher votre voiture et notre copine. Vaut mieux qu'on cherche à plusieurs. Enfin, je veux dire. Bah, justement, si on cherche chacun de notre côté, c'est mieux. Au plus vite on la trouve, au plus vite vous récupérez votre voiture et au plus vite vous allez en date avec elle ou vous faites un truc, je sais pas, attends. Mais. Ouais, essayez de la calmer, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Attends, c'est de votre faute si elle est tendue comme ça. Mais je voulais que je note son string. Non, pas complètement. Mais... Oui, non. Je prends ses os. Non, ne détendez pas son string, carrément. Non, non. Encore, je sais même pas si apporte ça à la poule. Putain, et je gratte mes tickets de loto et je gagne jamais rien. C'est un truc de ouf, par contre. Ah oui? Ouais. Tu sais, les tickets coffres, là. Mm-hmm. Ouais. Réponds pas.
Non, mais là, elle abuse. Et tu sais, Austin, c'est ce que je disais. On est d'accord, elle vient de subir un bombardement ou je sais pas quoi, là. Maman a coupé qu'elle est retournée en ville, là. Mais tu trouves ça normal, après avoir subi ça, ou pas? Dis-moi. Quoi? Ben, ouais. Elle s'est fait bombarder, je sais pas quoi. Mais après ça, on est d'accord, tu retournerais pas en ville si ça t'était arrivé. Bah oui. Comme moi, ça m'est arrivé devant le comico de croiser un type que un robot, là, je sais pas quoi. Et ben, du coup, ben, je retournerais plus au mécano. Elle répond pas. Je sais pas ce qu'elle fait. Oh là là, mais elle fout quoi? Elle ira se faire foutre quand elle m'appelle. J'allais au Crucial. J'allais voir au Crucial. Vous faites quoi, vous? J'attends qu'ils prennent une autre voiture et je vais aller voir. Je vais traîner au ville aussi. Je vais aller faire le Nord, moi. Mm-hmm. Ok. Tu fais la ville, toi? Ouais. Je sais pas. Ouais. Comme vous voulez, on fait la moitié de la ville ensemble, de toute façon. Moi, je fais le Nord. C'est grand. Alors. Je vais remonter dans le Nord. Moi, je vais m'acheter une nouvelle voiture. Parce que je pense que je vais jamais la retrouver. Ok, est-ce que je pourrais avoir une voiture aussi pour me déplacer? Bon, allez, je vous donne chacun une voiture, putain. Vous me faites chier, j'ai un garage. Hein? Oui, j'ai garage, mais j'ai des voitures partout, moi. J'ai des garages ici. Oh. Vous êtes riche? Oui, grâce à mon père. Nino, comment tu vas? Okay. C'est Jérôme Payette, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Bon, après, je suis le genre de riche qui s'en bat les couilles, en fait. Moi, j'utilise mon truc à bon escient, je suis pas là pour me la péter, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, ils utilisent leur argent, ils vont... Voilà, vous m'avez compris, hein? Ouais, on comprend. Voilà, mon père me verse des sous, quoi. Yo, Phoenix. Ok. 100 000 par mois, ça va? Ah oui. Ah oui, carrément. Bon, j'arrive. Mais les gars, je peux pas tout vous dévoiler non plus, c'est pas marrant, sinon. Ok. Je te jure qu'elle est en train de me casser les couilles. Hein. Ouais, je vais essayer de l'appeler. Attends, je vais essayer de l'appeler moi aussi, mais... Je sais pas si elle va répondre. Je sais pas pourquoi elle avait ça, c'était dans sa collection, je crois. Oh putain, je prends la noire. Oh putain, je prends la noire. Oh là là. Tu vas pas me laisser avec ça. Mais putain, mais... Mais prends ça. Prends ça. Je file dans le Nord, moi, les gars. Ok. Les deux, c'est la même marque, les 4x4 et la coupée, là. Ok, c'est parfait. C'est Woody, ça? C'est Woody, non? Woody. La marque, Woody. Ouais, je vois, Woody. C'est un WW, Woody. Woody. On vous les rendra. Allez-y. Allez-y, bonne route. Merci. Ouais. Itachi King Gucciwa Forever pour ton subwoofer. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, on y va. À la recherche. Moi, je vais monter dans le Nord. Super, elle avance pas, cette voiture. Bon. Attendez, qu'on se mette plus dans le bain quand même. Mais bourre pas mon cul, hein, putain. Yo, Tiger Flash. Allez, on y va, on va trouver. Ça sert à rien de me dire où elle est, les gars. Moi, je fais mon RP, je la cherche, hein. Yo, Itachi, merci encore pour les 200 bytes. Merci beaucoup, Itachi. Oh non. J'ai appelé mais il répond pas. Je
Merci, Marseillais, pour ton troisième mois avec ton Prime. Merci beaucoup, GG. Non, c'est pas Itachi, désolé. Non, personne ici. Putain, vas-y, comment je vais la trouver? Oh wow. On fouille, hein. Ouais, moi je suis quasi sûre qu'elle est en ville, mais putain. What? Le pack il me nique les yeux là par contre. Hein. Ok. Itachi, merci encore pour tes bites! Merci beaucoup. Si. Bisous, Patoche. Bonne nuit à tous ceux qui vont dormir. J'ai pas connaissance du village. Bah qu'est-ce que... Bah... Oh. Ah, je me suis pris ma portière, putain, fais chier. Oh, merde. Ah. Ah. Fuck. Mais je sais même pas ce qui s'est passé, frère. Pas compris, mais c'est pas grave. Allô? Allô? Ouais.
Ouais, t'as des nouvelles du coup ? Non, du tout. Là, je suis au garage du Nord, là, et j'ai fouillé un peu tout Paléto. J'ai encore rien trouvé. Donc, mm-hmm. Et vous ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et franchement, la voiture que j'ai, elle est trop stylée. Ah ouais ? Moi, c'est de la merde. Hein. Ah ouais ? Mm-hmm. Mais ton GPS, il parle pas ? Non, mon GPS parle pas. Ah, mais le mien, il est trop stylé. Sérieux ? Ouais ! Il parle ? Il me dit que je suis très ravissante aujourd'hui. What the fuck? Sérieux? Ouais? Imagine, c'est Austin qui essaie de draguer à travers la radio. Quoi? Non, mais je sais pas. Hein? C'est sa voiture, non? Imagine, il a enregistré sa voix pour je sais pas. Oh putain de merde! Je me dis, depuis que Jerry nous observe, maintenant tout est possible en vrai. Hein. Le moteur GPS est situé sous. Quoi? Ah non, non, moi je m'assois pas sur toi, mais il est fou! Il a dit quoi? Le GPS était en dessous de moi. Et du coup, il a dit que j'étais assis sur lui. What the fuck? Ah, je suis descendue là. Qu'est-ce que tu me racontes? Le GPS, il est sur toi. Mais c'est qu'est-ce qu'il a dit, GPS? You. Il a dit ça? Ah, oui, je monte à bord. Putain, les spoils. Oh, oui, pardon. Oui. Mm. Oh! Ah, qu'est-ce désolé. Que... Ah! Qu'est-ce que tu fous avec le... J'ai eu un accident. Je suis désolée. À tout à l'heure. Je suis désolée, Anastasia. À tout à l'heure. J'ai eu un... T'es où, toi? Je viens de te dire au garage du Nord, là. Ah, ok. Et toi? Là, je me dirige vers le mécano. Ouais, fais attention, hein, le mécano. Oui, mais bon, j'ai pas trop le choix pour la retrouver. Je sais pas où aller. Voilà. Ouais. Ouais, je voudrais pas te déranger pendant que t'es en train de berberifouiller. Quoi? Mais je suis rien! Tiens-moi au courant si t'as des nouvelles, d'accord? Merci. Ouais. 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 Non, mais je rêve, ou elle m'a appelé alors? Ouais. Merci qu'il m'a. Bisous, Bisous, Itachi. Merci encore pour les bites. Et les. Merci beaucoup à toi. Je préfère largement ma voiture. Hein. Pas l'air d'être ici non plus. Par là, je vais où si je vais là? Après, grand bien lui fasse, hein. Je pense que je suis à contresens. Bon, elle a pas l'air d'être ici non plus. Oh. Anna ? Allô ? Ouais. Ouais. Je suis désolée, j'avais besoin de réfléchir. Ok. Cléa, putain. Quand je vais lui dire qu'elle avait juste besoin. Oui, allô? Allô? Attends, t'es au téléphone avec moi là? Oui. Il y a un souci alors, hein, parce que je t'appelle. Parce là. Que. Ben oui, tu m'as appelé. Mais là, je suis encore en train de t'appeler en fait. Ah, du coup, c'était pour te dire, viens devant le parking central à la rive. Non mais ouais, j'allais dire ouais, j'ai eu de ces nouvelles aussi. Okay. Elle avait juste besoin de réfléchir la meuf. Donc moi c'est bon. Mm-hmm. Elle va pas me casser les couilles, elle va se faire foutre, ok, pour ce soir. Mais moi j'ai flippé hein. Ben on s'est inquiété pour elle et cette pétasse en fait, elle nous répond pas juste parce qu'elle a besoin de réfléchir. Ben elle va se reculer, c'est tout.
Ben, elle aurait pu nous répondre pour pas qu'on s'inquiète, en fait. Ben, c'est ça. Mais maintenant, elle m'appelle, elle fait « Ouais, désolée, j'avais besoin de réfléchir. Ben, va te refoutre, meuf, c'est tout ce que j'ai à te dire. Hein. » Mm-hmm. Ok, ben... Donc, vas-y, ben... toi, si tu veux, mais moi, j'y vais pas, en gros. En fait, pour lui faire comprendre, faudrait que je parte aussi. C'est ça ? Non, vas-y, si tu veux. Hein. Écoute toujours ce qu'elle a à te dire, je sais pas. Moi, j'en ai rien à foutre, là. C'est bon, ah. C'est les couilles. Ok. Vas-y. Vas-y. Je reviens en ville. Ok, vas-y. Moi, je suis occupée, là. Tu sais, le GPS de tout à l'heure, il me parle, hein. Oui, mais non, mais tu m'as compris. Voilà. Ouais. Bon, bah, tu me tiens au courant, ok ? Oui. Ouais, bien sûr. Oui, oui, à tout à l'heure, hein. Oui, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Ouais. Tu m'entends encore, là ? Tu m'entends plus, on est d'accord, bon, ok. Ah ouais, j'ai plus d'essence. Mais putain, bah on va aller au flash oil, hein. C'est même pas ma bagnole, mais bon, si tu veux, j'ai que ça pour conduire pour l'instant, donc... Elle a l'air épanouie depuis qu'elle est avec le GPS. C'était donc ça. Merci DVR, merci, bonne nuit. J'avais pas vu, putain, merci aussi Itachi pour les 200 bytes. Merci beaucoup les gars pour vos bytes, merci. Putain, et Charles il me répond toujours pas, je crois. Merci, putain les gars, merci, stop. Bon bah il me rappellera. Merci. Merci les gars. Le GPS il lui chuchote des mots doux à l'oreille ou bien bah je pense pas qu'il fait que chuchoter hein là le GPS. Wesh, merci DVR. Stop les gars, putain. Merci. Gardez vos sous. Ah t'as pas vu en plus DVR, mon chien à la maison il s'appelle Jack. Jekyll. Merci pour les bites, Wolf, merci. Ah non, va te faire enculer, hein. Ah là, tu vas te faire enculer, moi je te le dis, hein. Ah, tu vas te faire enculer, hein. Ouais. Il a un jouet, c'est une poupée gonflable dans la piscine. Il a même une place, hein. Genre, il a vraiment des gamelles et tout à la maison, hein. Il a son petit panier et tout. C'est un bon chien. Pourquoi j'ai encore mon téléphone en main ? Ça, c'est le bug 5M qui me rend le plus fou, je crois. Voilà. Aïe. Ah, je sais pas ce qu'il fait le GPS, mais ça la rend heureuse. Hein. J'ai jamais entendu aussi heureuse depuis qu'elle a le GPS. Merci encore, Wolf. Tu n'es pas obligé. Oh là là, merci, Wolf, merci. Putain, merci beaucoup. PDVR force. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que tu vas me faire faire ? T'es malade ou quoi ? Fou ! J'ai pas de pouvoir moi. Par contre, ma coupe de cheveux va trop bien mon perso. Ouh ! Non ! J'ai pas de pouvoir, je vais pas faire DVR force, Edwin, qu'est-ce que tu fais ? Non, ça va me faire crash ou je sais pas. Non, les gars, je fais pas. Non. Flemme de crash là, c'est bon, je vais toi le F4 après.
Bon bah attendez, parce que du coup je suis plus en recherche là. C'est le but justement. Voilà, on remet ma petite douceur. Parce qu'au fond, même si je crie, je suis la douceur incarnée. Oh putain. Bonne nuit, Joe. Bien. Putain, j'allais serrer là. Attendez, ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc. Étant donné qu'il faut que je me défoule. Voilà. Ah, de rien, Joe, c'est normal. Et encore merci pour les subs offerts, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Putain, l'autre, il va croire que je le drague, frère, alors que j'ai juste vraiment pas d'essence, là. Oh non. bonsoir, c'est encore moi. Vous allez bien, madame Anastasia ? Oui, ça va, et vous, James ? Au fait, j'aimerais mettre de l'essence dans ma voiture. Il n'y a pas de souci, c'est le cathède juste là ? Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas la mienne, mais... Oui, on s'est compris. Oui. Bah... Ok, il n'y a pas de souci, je m'occupe de faire le plein. Merci, c'est gentil. Intéressant, ces posters. Tu vois, c'est qui, lui ? Pose-moi ça et viens faire 30 tours de terrain à cloche-pied. Oui, papa. Merci pour les bites marseillais. Ah, elle est belle, celle en jaune là. C'est la plus jolie. Nice, cute, nice. Super. C'est super de surfer sur une banane et une fraise. Oh, trop mignon le chien. Si vous voulez, vous pouvez vous servir dans la machine à café. C'est gratuit. C'est qui Parce que j'ai remarqué qu'il était beaucoup sur les affiches. Il me semble, si je dis pas de bêtises, mon ancien patron m'avait dit que bah du coup c'est les, enfin mon ancien patron, mon patron m'a dit que c'était les anciens proprios. Il y a lui et puis il y a ce monsieur là aussi que je vous montre. Le monsieur là avec la cigarette à la bouche ou le. Oui genre, c'est, ouais je... ça que je me demandais. Oui, il m'a dit que c'était Damon, un certain monsieur Damon. Après j'en ai pas demandé plus. Dites-moi d'ailleurs, vous connaissez un Tom Escobar? J'ai une tête à connaître un Tom Escobar? Non, je vous pose juste la question. Non, du tout, pourquoi? Non, juste comme ça, c'est un ami qui était passé pour mettre de l'essence et qui m'a demandé si je connaissais un Tom Escobar. Il m'a demandé de voir s'il y avait du monde autour qui connaissait. Donc, voilà. Qui vous a demandé ça? Je pourrais pas vous dire c'est qui exactement, mais ouais, enfin, je pense que vous le connaissez. De toute façon, je le connais pas, donc. J'ai peur que ça me rapporte des soucis, donc. Pourquoi? Enfin, vous voulez que je dise ça à qui? Est-ce que vous avez vu un robot rouge par hasard? Vous aussi, vous l'avez vu? Il est venu. Et il est. Chez le mécano. Il est venu. Bah après votre départ avec vos sœurs. Il est venu ici à la station essence. Oui. Il est arrivé par derrière, je l'ai entendu parler, ça m'a effrayé. Je suis tombé au sol. Je me suis relevé. Il m'a demandé de l'essence, il m'a vidé 3 pompes. Il m'a dit qu'il avait besoin de puissance, qu'il cherchait un. Après, je vous fais confiance. Un Tom Escobar. Et il est revenu plusieurs fois pour avoir des informations en menaçant de faire exploser la ville et. Il m'a dit qu'il repasserait d'ici peu de temps, donc je suis pas. Oh mon dieu. Je suis pas. Yo, Jonah, ça va et toi? Très bien en ce moment. Écoutez, moi aussi je l'ai croisé quand j'allais chez le mécano, vous savez, j'allais réparer ma voiture. Et il est sorti du mécano. Et après, je suis vite partie parce que j'ai eu peur, enfin. Voilà. Et après,
pas d'ici, oh là là. Non, moi, il a commencé à prendre feu devant moi. Comment ça, je suis ton chien? Et il est parti d'un saut, il passe plein d'explosions partout, des... Je savais même plus où mettre, je me suis caché dans la réserve, j'étais pas bien. Il est revenu me voir en me menaçant, en disant que si j'arrivais pas à trouver, ma vie en dépendait. Je vais vous payer et je vais me casser, d'accord? Je pense, mettez-vous à l'abri. Anastasia? Je sais pas de quoi il est capable. Je crois qu'elle a pété un plomb, Elena, vraiment, tu devrais t'inquiéter aussi. Elle est montée dans la voiture et il y a eu des bruits de... Je sais pas comment dire, robotique, je sais pas. Et il y a Austin avec moi et même lui aussi il a entendu et là je m'inquiète pour elle. Mais non, Jess, je sais pas ce qu'elle a. Fais pas ça. Elle a pété un plomb et je la retrouve plus. Ah bah qu'elle aille se faire foutre, elle me casse les couilles ce soir, c'est bon. Ok. Fais ce que tu veux avec, j'en ai plus rien à foutre. Bah, de toute manière je sais même plus où qu'elle est, hein. Bah, qu'elle aille là se faire foutre, je l'ai perdu. Bah qu'elle aille se faire foutre, elle m'a encore revenir en mode « Ouais, nanana, j'ai besoin de réfléchir, nanana », bah qu'elle aille réfléchir. Ok, comme tu veux. Ah, j'en ai plus rien à foutre là, c'est bon, ça m'a cassé les couilles. Ok, vas-y. Vas-y, je suis à la pompe, hein, si jamais. Bah vas-y, je vais arriver, j'avais fait un peu de course, un truc à manger surtout. Mmh, ouais, vas-y, je t'attends. Ouais, vas-y, je suis à côté. Ouais, désolé. Ça a pas l'air d'aller. Non, c'est rien, c'est juste... voilà, bref, c'est rien. Du coup, faites-moi la facture. Bah comme tout à l'heure, du coup, je peux toujours pas faire les factures, ce sera 160 dollars, du coup. Pour l'essence. 160 ? 160, oui. Hop, parfait. Ouais, si. Vous avez des choses à ramener dans votre véhicule, madame Anastasia ? Non, rien. Mais ma soeur, probablement... Enfin, mon amie, probablement. Ok, y'a pas de soucis. Bah, si vous voulez attendre à l'intérieur, y'a pas de soucis. Je vais juste garer ma voiture sur le côté. Vous embêtez pas, je vais faire moi. Oh bah c'est gentil, merci. Bah voilà, moi je boude. Attendez, je vais voir un truc, parce qu'il y a un truc qui me tilt sur mon pack, là. Ça me casse les couilles, frère. Attendez, hein. D'ailleurs, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais tout à l'heure, il est passé ici à l'angle. J'étais au niveau du trottoir, j'ai vu un véhicule passer avec pas mal d'explosions qui suivaient. J'ai vu une personne avec des cheveux teintés. Enfin, très teintés, quoi. Une couleur assez flashée. Ça m'a fait très bizarre. Après, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais elle ressemblait... La personne, en tout cas, avait les mêmes cheveux que... Enfin, bref. Les mêmes cheveux que votre sœur. Ah ouais ? Ouais. Bah, elles l'ont croisée tout à l'heure, donc... Bah, le problème, c'est qu'en fait, elle est... De ce que j'ai vu à côté du véhicule, il y avait pas mal d'explosions qui suivaient, et... J'ai vu une personne tout en rouge, bah du coup, comme... Bah, comme qui vous pensez ? Où tu t'es fait poursuivre tout à l'heure à part le robot ? Avec elle. Voilà. Oui, mais c'était pas. Vous, c'est Cléa, c'est bien ça ? Oui, mais oui. Tout à l'heure j'étais avec Léna, on s'est fait courser, on a été au Comico. Après, plus rien et après, Bonjour, monsieur. Bonsoir. Mon pack, il est pas pareil qu'avant, je sais pas pourquoi. Non, moi je parlais de votre autre sœur que j'ai vu passer il y a à peu près une vingtaine de minutes. Oui, il y a à peu près 15-20 minutes qui était passé ici à l'angle avec du coup le robot dans la voiture. Hein ? J'ai pas envie de créer des soucis, mais je l'ai vu dans le véhicule ici passer au feu rouge là-bas. Quoi ? Non, après, comme je vous ai dit, c'est une personne avec des cheveux orange assez courts que j'ai vu. C'est sûrement pas la seule en ville. Mais elle y ressemblait vachement, quoi. Ok. Il y avait le robot rouge à bord du véhicule. J'entendais plein d'explosions qui venaient de ce niveau-là. Bah, qui venaient au niveau de la rue là-bas quand vous allez à Vinewood. Vers Vinewood ? C'est bizarre, ça. Quand vous montez, quand vous descendez du quartier pavillonnaire, assez riche, bah, du coup, j'entendais des explosions qui venaient de là-bas et le véhicule est passé devant.
Et j'ai vu quelqu'un tout en rouge avec des un flash bleu assez bizarre. Mm-hmm. Et du coup, quelqu'un avec des cheveux oranges. Enfin, je pense que c'était... Ouais, là, c'est vraiment bizarre. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, dans la voiture aussi. Après, comme j'ai dit à votre soeur, j'ai peur qu'il nous entende. Enfin, il m'a fait super peur. Il est venu ici avant que... Ça me fait bégayer carrément. Il est venu. Il m'a vidé 3 pompes à essence. Quoi ? Il m'a vidé 3 pompes à essence pour être rechargé. Ok. Et il est venu, il est venu une deuxième fois pour me menacer en disant que si je trouvais pas un certain Tom Escobar, ma vie en dépendait et celle de la ville aussi. Ok. Merci pour les infos. Allô, Anna ? Ouais. Ouais, dis-moi. C'est quoi ces conneries que tu te balades avec un robot dans ta voiture ? Quoi ? Mais carrément pas ! Par contre, je vais te dire un truc. Si tu te retournes contre nous et que tu nous l'as fait à l'envers, je te promets que je te tue, ok ? Donc si t'as un problème, t'as intérêt à me dire tout de suite. Ça fait des années qu'on se connaît, tu crois sincèrement que je vais la mettre à l'envers ? Ça fait des années qu'on se connaît et il y a 20 minutes, t'étais avec qui ? Avec personne ! Je suis partie dans le Nord ! J'avais besoin de réfléchir, tu te rends compte ? Que vous m'avez enfermé dans une putain de poubelle ! T'es en train de mytho. Et vous avez rigolé ! T'es en train de mytho, apparemment t'avais des trucs bizarres sur toi, je sais pas quoi. Mais j'ai quoi sur moi ? Tu veux pas me dire la vérité ? J'ai rien sur moi ! J'ai rien sur moi ! C'est le trou du cul aussi qui a une voiture électrique, j'en sais rien, ok ? Franchement, tu sais quoi ? Mais va te faire enculer, meuf. Ouais, clairement, la confiance est brisée, là, en fait. Cléa ? Oui ? Je viens de l'appeler. Mm-hmm. Elle me certifie qu'elle était toute seule, qu'elle était dans le Nord. Ouais ? Avec moi, c'est pareil, mais j'ai entendu des trucs bizarres, en fait. Ouais, on est d'accord. Quand donc, elle nous cache un truc. Quand elle était avec moi, et après, je sais pas, elle voulait pas de trucs électroniques dans la voiture, genre GPS et tout. Mmh. Et elle voulait que je jette mon téléphone. Je lui ai dit non. Et elle a pété un plomb. On a entendu encore le truc bizarre. Et elle est sortie de la voiture. Elle nous cache un truc. Elle est partie en courant. Elle nous cache un truc. Je sais pas ce qui se passe, mais ouais. Austin. Ok. Oui, quoi ? Tu m'as rappelé ? Il y a un souci avec elle, elle ment. Ah ouais ? Mm-hmm. Je l'ai appelée, elle me dit que genre elle était dans le Nord, que nanani nanana, qu'elle avait besoin de réfléchir, blablabla. Bref, j'en passe. J'ai dit ouais, il y a 20 minutes, t'étais aux alentours de Vaïgnoud avec quelqu'un dans ta voiture et tout. Elle me dit non, nanana, j'étais seule, tatatatata. Mais elle me ment, tu vois. Enfin, il m'aurait pas raconté de la merde. Et en plus, vous avez vu des trucs bizarres. Nous, on a entendu des bruits quand elle est rentrée dans la voiture. Bah ouais, voilà, c'est ça. Moi, de base, je faisais une petite blague à... comment ça s'appelle ? Cléa. Mmh. Parce que en fait, j'avais pas envie d'être tout seul, du coup je rentre à sa voiture en douce. Mmh. Je me suis fait passer pour le GPS en fait. Et du coup on a passé un petit moment tranquille, on roule et tout. Ouais bref. Après elle va chercher. Mmh. Et là que je commence à entendre des trucs chelous, je lui ai dit par contre moi je suis dans la voiture avec toi, j'entends les mêmes choses que toi quoi. Mmh. Ouais bah je sais pas. De toute façon, elle me raccroche à la gueule, mais elle me casse. Franchement, là, elle m'a cassé les couilles. En plus, elle ment maintenant. Après toutes ces années. Bref. Là, vraiment, je suis énervée, là. Ouais. Oh. Non, mais t'inquiète, laisse tomber. Faut pas se prendre la tête. Oh, ça m'a fanée, ça m'a fatiguée. Je vais aller me coucher, moi. Ça va aller vite. Comment ça ? Ouais, non, c'est bon, ça m'a fanée. Je déteste les mensonges, je déteste. Bref. Cléa, tu vas faire quoi, toi ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Il me répond pas, monsieur Dassault et tout. Enfin, il bref, répond pas ? Non, j'ai plus rien à faire, du coup. Je crois que je vais aller dormir et ça m'a fané avec ses mensonges, l'autre. Bah vas-y, je vais aller dormir aussi. Tu vas dormir aussi ? Bah c'est surtout si. Mais ouais. Hein ? Pourquoi vous êtes en colère ? Non, on n'est pas en colère. Moi en colère ? C'est juste que. Ça se trouve, on a un problème. Elle a un problème ? Bah alors pourquoi nous en parle pas ? Ça fait quand même des années qu'on est amis, on s'est toujours tout dit, alors pourquoi elle nous dit rien ? C'est bon, ça m'a cassé les couilles, je rentre à la maison. On va pas laisser aller toute seule. Non, viens. Oh. Ok. On va t'accompagner, Anastasia.
Passez quand vous voulez, de toute façon, vous regardez sur Twitter de la ville et je fais souvent des annonces quand c'est ouvert. Merci, James. En tout cas, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Et bon courage pour la suite. Merci. À vous aussi, faites attention. À vous, hein. Merci, James. Pas de soucis, merci. Ouais, on va... Je pense que Sting, il va dormir à la maison. Hein. Mais parce qu'il a dit qu'il nous accompagne. Ouais, d'accord, ouais. De toute manière... Non, je vous surveille, on sait jamais ce qui peut se passer. Ah, ok. Bah, je veux dire, maintenant, j'ai pris du passé du temps avec vous, je veux pas vous abandonner comme ça, quoi. Bah, vas-y, comme tu veux. Non, y a pas de soucis, t'inquiète. Ouais. Et puis, vas-y, on te fera le canapé. Je vous suis. Vas-y, chez vous. Putain, attendez, mon câble, il s'est bloqué. Hop. Attendez, j'ai mon truc bloqué dans la pédale. Ah, tu veux que je t'aide? Vas-y. Bah, c'est pas grave. Bon, tu comprends que je sois énervée quand même. Enfin, mais oui, pas... c'est logique parce que d'habitude on se dit tout et. Mais c'est ça, et là elle cache carrément quelque mais chose. Mais je sais et... pas, j'ai l'impression que. Elle était pas comme d'habitude, tu vois. Bah oui, mais vraiment. Je l'ai même dit, ça... je l'ai testé, j'ai dit. T'étais où il y a 20 minutes et tout. Elle me dit, ouais. J'étais dans le nord, j'avais besoin de réfléchir, enfin, je sais pas, ça concordait pas avec ce que le type nous avait dit, tu vois. Ouais, et en plus, j'ai l'impression qu'il a l'air d'être sérieux lui aussi, donc... Oui, il a pas l'air de... Mm-hmm. Il avait l'air stressé, au début, il voulait pas m'en parler, tu sais, il me dit, ouais, pas de problème et tout. J'ai dit, écoutez, ben, c'est bon, parlez-moi-en, si je peux aider et tout. Après, il m'a expliqué, tu vois. Mm-hmm. Du coup, je lui ai dit que nous aussi, on l'avait croisé, et puis que toi, tu l'avais croisé encore une fois après. Ben oui. Oh, j'ai mal à la tête, oh putain. Avec toi et après avec Elena. Ouais, c'est ça. Et encore, ils nous suivaient et ça explosait de partout, de part derrière. C'était horrible. Ouais, bah c'est ça. Désolée. Et au Comico, on avait l'impression que c'était la guerre. Bah c'est ça. Oh putain, j'ai mal à la tête, ça me casse les couilles, putain. À quoi? J'ai mal à la tête. Ouais, t'inquiète qu'on est deux, là. Oh putain, je te jure vivement que j'allais me coucher parce que là... Moi, c'est la même, là, parce que... Ah, je suis en train de serrer, là, je te jure. Oh putain. T'inquiète, un bon repos, ça va nous faire du bien. Ah ouais, là. Je te jure que là, c'est bon, je me casse, j'éteins tout, hein, frère, c'est bon. Allez, hein, quoi? Là, je... Ah putain, je... Ah oui, carrément. J'en ai marre. Ça arrête pas, je conduis, ça arrête pas. Ouais, oh tu lui demandes quoi? Ça va, on est bientôt arrivé de toute façon. Oh mon dieu. Oh putain. Oh aïe, ça va? Ah putain. Ouais, désolé. Oui, ça va. Mais ça, c'est et parce que je conduis pas avec les pédales de d'habitude, c'est pour ça. Ah ouais? Ouais, c'est pas ma voiture, je suis pas habituée. Oh putain. Bon, ça va, on la laisse sur le... Tant pis, je la laisse sur le bas-côté. Vas-y. Austin, s'il te plaît. Laisse-moi monter avec toi, s'il te plaît, je vais péter un câble. T'inquiète. Allez, on y est presque façon. Oh putain, j'arrive même plus à parler. Ah, oh, ça me fait péter. Oh, ça me... Je suis en train de serrer là. Ouh, tu veux péter? Ouais, péter un câble. Ah, d'accord. Ou ça te faisait péter, genre. Attends, tiens. Comme ça, hop, c'est encore mieux. Sortez pas tout de suite, je fais un petit. Mm-hmm. Ah ouais, y'a pas de soucis. Le grand en bataille. Bip, bip, bip. Ah ouais, bah là, oui. Bip, 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 bip. Voilà. Nickel. Allez, on rentre. Attendez, je vais voir si Jack est rentré. Oh putain, ouais. Hop. Allez, venez. Quoi ça? Mais genre, on n'a pas moyen d'ouvrir vraiment les portes? Hein? Bah si. Parce que moi, je passe par la petite porte d'à côté. Jack? Jack? Trop bien. Jack? Non, il n'a pas l'air d'être rentré. Bon, il doit être sur la plage, à mon avis. Sûrement.
Putain, même ici j'ai mal à la tête, quoi. C'est trop. Ouais, ouais. Bon, bon, ben... C'est beau en tout cas, c'est beau. Merci. Chez vous. Moi je vais aller prendre un bon bain pour me détendre là. Et... Ouais, moi c'est la même, du coup moi je vous souhaite une très très bonne nuit. Et... Ouais. À demain. Droit de me boucher, ici. Faites comme chez vous, hein. Ah, ok. Ouais, de toute façon il n'y a rien à voler donc non, voilà. Donc, c'est bon. Comment ça, sauf voler, les croquettes du chien. Ah, oh, on ne sait jamais, vous voyez. Je suis flic. Oh putain, oh, putain ça, oh, ça me fait serrer. Oui, après, flic ou pas, on ne sait jamais. Je suis militaire, hein. Ah, pas dit. Cool. Je suis en contrat à durée indéterminé, c'est ça? Non, durée déterminée, justement. Ok. Pour deux mois. Ah oui, carrément. Ok, bah du coup, je vous souhaite une bonne nuit et à demain, monsieur Austin. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouais. Oh putain, je serre. Bon bah du coup, merci pour les vibes, merci encore, merci tout le monde, merci d'avoir été là ce soir, je vous souhaite une très bonne nuit, désolée, je pensais que ce soir on aurait pu au moins acheter, mais bon apparemment non, donc voilà, moi je vous souhaite une bonne nuit et faites de beaux rêves, hein, et peut-être à demain, je vous tiens au courant de toute façon, je verrai si les bugs sont réglés d'ici là, parce que c'est injouable. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, et prenez soin de vous. Bisous. Attendez, je vous mets la petite musique de fin, quand même. Hein. Bonne nuit. Ah non, fallait le laisser ban, qu'est-ce que t'as fait, là? Bonne nuit tout le monde, bisous, merci d'avoir été là, merci pour tous les bites, les subs, les resubs, merci pour tout, bisous, bisous.